Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Chers téléspectateurs, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et en RDC. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans l'émission Nabisso. Bande Konanga et Zasso, mon émission, oui. Fatiazo continue de débouler. À la une, chers téléspectateurs, Ouganda va payer la RDC 13 à 76 milliards de dollars. Bande Koboko Yokango, passe ma Kambo Yo, ba kota ki na mboka na bisou na 98, bazaye ko samba na CPI. Bande ko dossier komé en avance, kalate bazo fouta mbongo. E belé bande konanga. Alors, toko développant ensemble. Deuxième point, chers téléspectateurs. Yindi, Fachi, le déboulonnage continue. Récupérer toutes les provinces. Dans ma province, Nyonso, Bandeko a récupéré toutes les provinces de la RDC, Nama Bokoya Fachi. Alors, le gouverneur Paul Muntu quitte le PPRD pour IDPS. Bandeko. Déboulonnage et bandit na bandundu, maïndombe. Na maïndombe gouverneur déjà, IDPS. Kalate! Alors, toko développement ensemble. Alors, chers téléspectateurs, bande konangai, premier point abissou, oba lubaka e yindi. Toko dividend en deux. Toko bana d'abord si 36 bandits aux arrêts à Butembo, makambwe utawo le kawa bande konangai. Donc, vous comprenez que le bateau est là, il y a 36 bandits aux arrêts. Et puis, il y a des soukas. C'est depuis 1999, le dossier où il y a une cour pénale internationale. Maintenant, la réponse est là. Makambwe comme quoi avancer beaucoup yo katakaiche a ko expliquer ango clairement était la l'Ouganda va payer la RDC 13 à 76 milliards. Alors to banda na babandi oyo ozare abutembo 36 présumés bandits armés ont été présentés ce lundi 19 avril à la presse par le maire de Butembo, Sylvain Kanyamanda. Selon lui, parmi eux se trouvent des criminels utilisés par des militaires déserteurs pour déstabiliser la région et des miliciens qui planifiaient une attaque contre la MONUSCO le 15 avril dernier. Il invite ainsi la population à plus de responsabilité et de vigilance pendant cette période de crise pour ne pas tomber dans les pièges. Bande ko boko yoka extrait. Eza mawa. C'est-à-dire, yanto le kamakambe infiltré. Les soldats ou bakita ki fardese ba déserter en bazana zamba, baza ko utilise ba gène. Alors, marche contre MONUSCO eza ki occasion pour na bang. Pour ba déstabiliser pende. Boibi ki, ba blessé eza ko sakana ou tin hôpital, na Butembo ya beni. Sur na kaka makambo utole kamikolo. Alors, ba criminel oyo bande konanga bazo uta bisikebele na ba pays voisins et tout ça na boya biso moko et tout ça. Ya mbozo mona deuxième dossier to zana ngo ya guerre oyo makambo oyo salameke entre EDC na Uganda bande ko pwane za som. Mais to continue na nou oyo bato bazo continue ko déstabiliser mboka na biso. Bakangai bango 36 nabama mabende ba marto tana biloko koya kubumaka ba kongole naba arme ah non tozana grand travail na est bandeko nga to ebiti menzamba kusunga allo ba inviter population était ennemi to tikela et tenté bandeko nga ba tikela bango tenté donc situation pena. Le maire indique que ces 36 bandits étaient porteurs d'armes à feu, des armes blanches et des gris-gris. Pour comprendre,
bango ba ye na marche soit disant eza ba jeune a beni butembo nzoka ndete ba soldat tout ba colonel ou ba déserta ba infiltré wana nyonso ba sali mo groupe moko ete o ezo occasion makama MONUSCO yo to sala ba grand dégât. Alors, sans plus tarder, Toyoka extrait Oyo, bon, on continue mission à Bissou. Plus de 30 présumés bandits armés ont été présentés ce lundi à la presse par le maire de la ville. Parmi eux, on retrouve des criminels utilisés par les militaires déserteurs pour déstabiliser la région et les Maïmaï qui planifiaient une attaque contre notamment la MONUSCO le 15 avril dernier, indique l'autorité urbaine. Le maire de la ville invite ainsi la population à plus de responsabilité et de vigilance pendant cette période de crise pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Grace Hamzati, reportage. Ils sont au total 36, tous porteurs d'au moins 3 armes à feu, des armes blanches et des cri-cri. Le maire Sylvain Kanyamanda explique. Le premier groupe, c'est un groupe de criminels qui utilisaient des armes à feu et que leurs responsables, leurs chefs, ce sont des militaires déserteurs, des FARDC, qui usent de leurs armes pour aller endeuiller notre communauté, notre population. Et le dernier groupe, ce sont des Maïmaï qui, profitant de ces semaines ici de ville morte, de ces manifestations contre la MONUSCO qui préparaient une attaque sur la ville, une attaque notre camp de Rwanda, une attaque sur les QG de la MONUSCO. Et que nos services que nous félicitons ici sont parvenus à déjouer les jeux. D'où son appel à toute la population à plus de vigilance et de responsabilité pendant cette période. Nous pouvons penser qu'on est en train de réclamer X choses, mais derrière ça, on est infiltré avec d'autres qui planifient d'autres actions. Imaginez-vous si la ville était attaquée le 15 au nom de ces manifestations contre la MONUSCO, qui serait responsable? Enfin, je dis à la population d'être calme, la ville est surveillée, la ville est protégée. Après présentation, tous ces présumés bandits devraient être transférés au parquet militaire, nous a indiqué le maire. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Ils sont au total 36. Ils ont des armes. Donc, ils continuent à s'infiltrer dans la population. Ils ont des armes. Mais, félicitations à la service à renseignement pour qu'ils aient des infiltrés. Et puis, ils ont des armes. La situation de ces armes est que ils ont des armes. Les lois étaient belles et basées d'accord contre Noël Tchani. Mais vous comprenez après. Avec le président de la République Otozanaye, ma cambo qui a changé. 13 milliards de dollars, plus de 13, donc, bâti entre 13 milliards à 76 milliards. Bazo débattre l'exact montant. Mais tout ça n'a point. Mbongo au côté pour président Aza en tête, Aza n'a besoin de mboke bon. Avançons. Le premier groupe, c'est un groupe de criminels qui utilisaient des armes à feu et que leur chef, leur responsable, ce sont des militaires déserteurs de nos FARDC. Moi, ma kamango, ba déserter na FARDC, yango ba usala makamu na katazamba. Donc, nous, tous en a travail, bande kurange zakaka, ba konjiti. Population, il faut travailler, ko iloba ke moutou yo, Aze infiltré. O koye be karate, hein? To boite, yade outou baza ba paya, to yebe na biso, me batou mousou so dek mouye baga, oye baga la position en face, oye baga oye ti. O signale mba la moko, baba ne kotrakeye. Hein? Peuple fate le manandega moukete, pande konsitasyon to zanango, domboka e koki ko be barandenge moko, ya, do e komi tan biso tous à l'ensemble. To koti koka fatigue moukote. Population a télé mananor Kivu bana beni makamba kitoko za kuya makambo ko koma histoire na 10 ans oyo fatia ko sala na pouvoir e ko tika la histoire bandi ko nangai donc boye ba ke mboke ko bonga passe fois e ze pa ba congolais et puis te bi ke presa za na mbo azaf mana besoin te mboke bonga. Tout le monde a faux discours, t'es ébélé. Son talibat faux discours, on a talibat le même, mais on ne comprend rien. Kakabino va te poser qu'on l'a pas acquis. Hein? Malam, Batouana va saler 20 tabalongois, Batia l'absence d'un président 100% congolais.
Batie ye, bo komi li sou sou ko sa la makambo ba diskour mou do mystique. Avance. Donc, ba militaire yo, far desi, ba deserta, ba mout ba o semi ba crime. Qui utilise les armes pour aller endeuiller notre communauté, notre population. Et les derniers groupes, ce sont les Maïmaï, qui profitant de ces semaines de villes mortes, de ces manifestations contre la MONUSCO, qui préparent une attaque sur la ville, une attaque à notre camp de Rugenda, une attaque sur le quartier général de la MONUSCO, et que nos services, nous félicitons, sont parvenus à déjouer les jeux. Donc, Basali Makassi, il faut te féliciter service en soi, Basali Bena Makassi, ils ont parvenu à déjouer ça. Donc, tonton Zalton, ton kamaga makamga à MONUSCO yo, et même les biso makamo koutebi na makolo na moututi. Mais, Nzambewana, atikaka RDCT. Alors, tous les cas directement na Oye Yindi, Uganda va payer 13 milliards à 76 milliards de dollars na RDC. Donc, montant kozala entre wana, Bokoyoka Bernard Takaishi. Le contentieux de guerre entre la RDC et l'Ouganda est de nouveau inscrit à l'ordre du jour. Les deux parties doivent se convenir à l'amiable sur les conséquences de l'invasion de la RDC par l'Ouganda. Boyebina 98, va envahir Mbokanabiso. Ouganda à côté, côté Ituri, wana doit salima solo. Invasion. Bande koyeli ba Museveni ngaya mefati po nozo salanga boy. Nde bozo mwana photo do Museveni maile silia danse. Fati alo bingaza na besoin la. Tia la na mesa. Oh, bozo makama undeni. Metolanda. Il s'agit tout simplement d'appliquer une décision de la Cour internationale de la justice. La Cour pénale internationale, organe judiciaire principal des Nations Unies, qui n'est pas à confondre avec la Cour pénale internationale CPI, a bien confondre en côté la Cour internationale, au Moussouana. Donc, où est-ce que la Cour internationale? Donc, tu confondre en côté avec la Cour pénale internationale. Où est-ce que la Cour internationale de justice? Alors, Balobi, non. Situation, Oyo, Batou. Il faut battre les mots. Alors, bande konanga, dossier et télémi, ba moni et siko mena, il faut ma solo ane si la. Bande konza passe, hein? Cour internationale Oyo, ezaka na la AIP. Donc, ba zbango pe, ba luana bazo travaye ka ponango. Eza ya ONU, alors, ba sengete makambo oyo esalama na ndenge wana me ba le bo confondre ngoti na CPI dans un cours monsieur international pona ete ba kata likambo oyo lega ki entre les deux pays bande ko za somo za mbongo ebele za mbongo osaka na ngote bo comprendre kaka na ba problème otozana ngo Donc, dans la situation que nous toujours vivre, si koyo, toujours mbongo ya boui. Parce que boko yoka Bernard Takaishi, bandeko, eza pasi ko mona ko mama ka Muganda basalaki, na 98, boibile ka mbuta kendeki, Bango pe ba récupérer côté Ituri. Donc mboka peneza divisé. Ah! Bino bo récupérer wana. Bon. Tana siko makama onde nzamba sala kati. Donc ba ye penza ba ji côté wana nyonso ba bani ko pie ba ressources, ba ressources ko bazo futa yango. Alors, sans plus tarder, Toyoka
Bernard Takahashi, bonto continue mission na biso. Je le disais en titre, condamné depuis 2005 par la Cour internationale de justice à payer les réparations au profit de la RDC pour violation de la souveraineté nationale du Congo démocratique et des droits de l'homme entre 1998 et 2003, l'Ouganda ne s'est toujours pas encore exécuté. Au cours d'un entretien ce week-end avec les médias congolais, le vice-premier ministre et ministre de la justice intérimaire sortant parle de la reprise des plaidoiries ce 20 avril. D'après maître Bernard Takahashi, ayant constaté les atermoiements de l'Ouganda caractérisant une mauvaise foi à ne pas réparer les préjudices infligés à la nation congolaise, le ministère de la Justice a reconstitué et consolidé la défense congolaise qui a ramené le dossier au niveau de la Cour internationale de justice pour contraindre cette fois-ci l'Ouganda à payer. Maître Bernard Takahashi, vice-premier ministre et ministre de la Justice intérimaire sortant, s'exprime au micro de Billy Ivan Lotumba. Il y avait la mauvaise foi dans le chef de l'Ouganda qui faisait semblant de négocier alors qu'il n'avait pas l'intention de négocier. Alors la RDC a pris la décision de clore ce dossier devant la justice et c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Quand j'ai pris le dossier, il y a eu une mauvaise gestion de ce dossier-là. J'ai essayé de remettre un peu les choses dans l'ordre. J'ai dissous la commission qui était là, une histoire budgétivore. J'ai récupéré tous les avocats internationaux qui avaient fait déjà défection du fait que la gestion n'était pas correcte. J'ai nommé un autre co-agent, la personne du professeur Mingache. Et aujourd'hui, sans risque de me tromper, nous avons une très bonne défense. Les plaidoiries vont commencer d'ici le 20 avril ici. Et je pense à l'issue de cette procédure de plaidoirie, nous aurons de bons résultats, même au-delà de ce que nous on prétendait. Avant, on avait tablé sur 13 milliards de dollars. Mais pour le moment, sauf appréciation de la Cour, mais je crois que les experts qui ont travaillé, avec l'appui de l'équipe que nous avons mise en place, nous sommes en train de plancher sur 76 milliards de dollars. Et voilà pourquoi je dis à la République démocratique du Congo, nous devons être respectueux des engagements que nous prenons. Et je pense qu'aujourd'hui, ces avocats sont en train de nous prendre au sérieux parce qu'ils sont en train d'être au Congo. Allo, chers téléspectateurs, tout bon guité. Mboke bon guité. Eh! Ha! Boyibi nande moussous, tozion nande moussous. Bande konanga, baiba. Uganda pena pia. Mais le lotala yomoko. Mais eloko moko to koko attire waneza très important bande konanga. Depuis 2005, bakataki, Uganda afuta mbongo. Va négocier prix wana à de 13 000 dollars à 76 000 dollars. Depuis 2005, gouvernement Oyo Eleki batika la koukipe na bangote. Bon, mon mot est un peu tout le monde qui a été battu. Batou ba vana ki 20 ans wana ba kipa ki balinga mbokote. Bande konanga dossier bo epende ala. Pourquoi ba bay ba yebe ke la royo tôt ou tard, et qu'on bénéficie d'un pays. Atiki na bango. Nzambe pa saka mala. So ki pe ba meyo ko laro e ko ako kitala lèr wana. Mais, gouvernement tu ba kompe ba milliardaire. Don le pour et le contre. Bozo mona bande konanga. Donc, nzambe a yebi ke non. Tika le fachia ko kota. Dossier ou e la muka. Uganda afuta mbongo na lèr a fachi. Qui toko o ba congolais ba solo ba tokos mais awa bande konanga za cpiti ton te faire comprendre na peuple très bien peut-être par erreur de na solo ba pe eza la cour internationale de la justice nde bozo mo na photo wana eza cpiti mais za pika na Hollande alors bango pona ko traiter ba dossier o eza criminel te ba dossier mususu ne invasion a pays na na mabe o pebo sali bango ba o traiter ba dossier wana o etali makamba guerre te ezaka ka ndenge bango ba kota ki na mboka ba bane ko pie ba ressources na biso ba botoli ituri ba ne konangeza mawa donc situation ango kompe na fresh bo yoki Takahashi et les bossons sont attendus à 13 000 dollars. 13 000, je m'excuse, 13 milliards. Bande de tout l'an a très bien. Milliards, millions, mais milliards. 13 milliards de dollars ont tous été causés là. Mais le lobby, comment ça dans les 76 milliards. De Ouganda, ça a un problème sérieux à Kominanyon. A kufute yango na batranche, bako yoka na bandeko. Wabi na ndenge mboke za lelo, soto juu ataka ka 10 milliards. Mefatia kusala grama
solo. Mboke ko telema na ndenga mukite. Hein? Bope se ka fatika ka ata 20 milliards. Nandenga mabete. Fatia jwa kaka 20 milliards na maboko. Mais RDC de comme le pays le plus puissant d'Afrique. Soko limité. Ozo kan ozo yebi muto aza entete. Aza na volonté mboka. Toti kaba fo info. Bande kouma kabwe zali awa. Avançons. Donc, ce qui bango, bakoko katati. C'est-à-dire, en cas de désaccord, ndebozo mona la cour tranchera. Yango, le 20 avril, oyo, le 20. Mais le 20 des aralobiti. Anzambie. Eza yako, yinda. Et si yindi fachile bazo. Do fachile loko. Ndenga zo lala. Alamu kazo kanza anzambe. Na jwa kaka 13,000 do. Ata kutu avansi. Bani boye na wo mata. Ebi mata ka 20 milliards de dollars. Bandego. Boko mona peiko. E komi le pays le plus puissant. Hein? O sombe le biso na bibunde la minduki, o bongsi mboka, kongole akumo liya meme social makamu, do ba bongsi makamba danse. Mais, toti espoir. Nzamba tika kabana ya RDC. Bande kuma kambwe leka depi 98. Et ça somme. La raison de leur présence dans la capitale ougandaise est inscrite dans le contexte de l'affaire qui oppose la RDC Ouganda. Batinde muta kende kuna pona dossier wana basoluli nango ba ye ba keti no Uganda mikolo eleki ba ke ko négocier na présent Uganda po bazo combien ideni ni combien montant ba ba kufuta parce que tamba okata montant il faut ba futa ngo parce ba koma na problème sérieux eza organisation ya Nations Unies zomana to le la ka ben infiltré. Bande ko malheur mususe ko maka bonheur. Ba bomi bato ko sakana ngote ba sali biso maka mabebele metala siku. Avançons. Si le cas oyo nyonso makambo tu eleki. Donc, dans son arrêt, la Cour internationale de la justice condamne l'Ouganda à préparer les conséquences de son invasion de la République démocratique du Congo en 1998 en violation du droit international et du droit humanitaire. Cet arrêt relève en outre ce qui suit. En se livrant des actions militaires à l'encontre de la RDC sur son territoire, en occupant l'Ituri et en soutenant activement sur le plan militaire, logistique, économique et financier les forces irrégulières qui opéraient sur le territoire congolais, la République de l'Ouganda a violé les principes de non-recours, à la force dans les relations internationales et les principes de son intervention. Donc, les forces ougandaises sont aussi jugées coupables d'avoir des mesures visant à y mettre un terme, ainsi d'avoir, en tant que la puissance économique, pris part na Katema Kambo Tubasalaki. Bande consultation et Zabongo, basana problème sérieux. Alors, tous ont gagné la balade. Pour aller à ma liconda. Ah, le 20 avril. Takaishi, aux danseurs. Nous avons un long ticket sanguin Takaishi. Donc, on s'appelle remise et reprise. Hein? Donc, au ticket bena sangu Takaishi. Soit ma camoille avec moi avant l'aime, soit ma quoi retenir. Pour grand dossier. Et, bandeko, bon comprendre que c'est un milliard. C'est un million de. Donc, semaine où yo, to zela, to ko pesa bino suite, to yo ka nene ko leka kuna na Cour internationale ya justice, to yo ka o nene kata mikuna, bongo, mbongo boni bandimi ko fute, pati fuwa fute, ata mikuna ta ba pesi fwa si ata avance a 5 milliards, pati fuwa pesa avance. Ah, nzambe. Bo yibi yibi RDC, bo sali RDC mabe fachi nzamba linga kai. Bande koma kamba boye kwe yaka na ba mama mwa kitoku. Alo, mbongo ezo kota. Yango wana, do mboka ezo bonga. Yo ezo komprande te, talaba miliyar.
totieli bino boyo kinde takaisha alubi, alobo tele masima fachi, mboke keli busu. Tokomo kena pwena biso, oyo deuxième partie, déboulonnage zo continue. Alors, chers téléspectateurs, oh balobaka déboulonnage. moi na Etienne si c'est que dans le salon solo. Bien de vous comprendre des places vos abotelema. Et yini, facile déboulonnage continue récupérer toutes les provinces bande konangai. Onyonso, récupérer les 26 provinces. Nandenga ma bété. Ok. Donc, oyo kakabande konanga, donc, kosakanate, donc, makamango, eza somode. Tozo, bas, préparation eza makasi. Donc, nengi makambo ezo kende. Na ebite, do kabila dozo salabango moutou pasi. Bazo comprende fachiti. yabi ngai. Tina kupikula tout le misisa. Babana na yemo gramete. Bo comprendre kaka. Gouverneur a bandu du Paul Mputu. Eh bandeko. Gouverneur oye. Azamatata. Nde baza pepe. Nde bazo lela. Ma indombe. Kincha saka kaboy. Akote akin. Avant de ma réunion, on a dit à Karma, moi, il y a une réunion à IDPS. Et ça, il y a quoi? Il y a ici et il y a. Donc, ma cambo, il y a tant de zones au bango, il faut comprendre que. Et ça, ma stratégie. Ma stratégie, il faut que ça soit expert. Donc, n'est-ce pas ça? Ba so comprendre que ma moto, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça, papa na ete. Papa n'est pas un grand stratège. Ah, Sphinx, tu le lis fort. Bon, si quoi? Moi, na yé balobi, fils a ko sala ko leka papa. Et ça, ma kambo oye salamak. Ma indombe, le gouverneur Paul Mputu quitte le PPRD pour l'IDPS. Le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie vient d'enregistrer une nouvelle défection. Après l'ancien premier ministre Auguste Matata Mpoyo, le gouverneur de la province de Mai Ndombe, Paul Mputu, Bole Elanga, a lui aussi décidé de quitter l'ancien parti présidentiel pour adhérer à l'actuel parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Oh, ma baby na bango. Bandundu, o kati no kana ntile wana kadozo kati kaka do lega maluku do kotika mbamo bandundu ezaya koina esie indi donc makambo bande konanga bato basana problem serie après wan to attaque wapi to bana to tsana grand bandundu de toute façon makambo ko changer no koma bandundu ko zonga grand bandundu un petit yoza très intelligent. Yo Dieu avance. Tant que comme un grand bandundu mputu yo vandawana. O dirige tous les grands bandundu. Parce que vous changez ma kambo ebeli. Alors. Bande ko déboulonnage yo continue. Donc. Ndenge bazawana bazo comprendre ti. Paul Mputu justifie sa décision par le souci d'accompagner la vision de l'actuel chef de l'État. Félix Tshisekedi. Alubinga. Nazo mona makamba kitoko. Ezo ya na fachi. Ah, bata pepe de. Voilà, deso ta danse. Ma benga ba telefone ba salabwe. Yabi, non. Moi, je vais quitter. Hein? Inyo sacrete. Bande gobo comprendre makami kole komi nini. IDPS. Parce que comprendre. Et belé bazo ya niño sacré a tient le kolomo na kati le kolomo ko tika la partie ne wana sala ki na. Alors stratégie mi kolo za ko récupérer tout le monde direction IDPS. Sala na IDPS mozano kana niño sacré mezana na IDPS. Donc ba monde baza ba lukade ni basanto to ebite lo ntoloba.
Donc, si koyo, PPD moutime beta tout, auto gagne à peu près si les 26 provinces, bisou de gagne à peu près sur 20, Fabia ou récupéré 26 provinces, n'yon son amabo qu'on a eu. Sauf l'ingit italien, sauf changer nos mots cabo. Wana tout. Parce que ma camo toujours le bango ponani. Bato basali 20 ans. PPD nyokoli batu na ndenga mukiti. Ya ono talo Congolais so beti maboko tena dossier oyu. O partager yango. Eza makambu te okende gauche droite, eza makambu eza clair, il faut en finir batu tout. Donc ba oyo kanalisu suté. Donc ne bazana masoro na bango penda o balubaka esili nango. Eza somo bande konangai. A justifié. A loube a moni moussala fatia ou sale za kitoko. Le chef de l'exécutif provincial de Maïndombe a ensuite exprimé sa gratitude envers les membres de l'IDPS qui l'ont soutenu après sa démission du gouvernement suite à la motion de censure initiée contre lui par les députés de l'Assemblée provinciale. Jusqu'à réhabilitation par les 26 premiers ministres, ministres de l'Intérieur, et affaires coutumières. Ce moment-là, monsieur Sarama est contrôlé, mais Tarande Makamba Salak, Bazongi si, Kankonda Salima Solo Kitoko, Azongaki. Désormais, l'IDPS, le gouvernement de Maïndombe a promis de mouiller les maillots pour l'implantation du parti présidentiel partout dans la province. T'es ça, Ibinot. Que Bandundu, on a même divisé en haut, et ce sont les grands Bandundu. Alors, on peut dire que nous avons en tête. Après, on a tous attaqué Mbalamobo. Donc, Bandeko, Koutou, Tanganyika, Koutou, Kalati. Tanganyika, tu es un cas, Miko, que tu récupères. Après, on a tout avancé. Hein? Boko yon ka yon jume katanga na maboko a IDPS. Bozo ndi mate. To sa o. To mate na ba province yon tikali. Do il faut tout récupérer. IDPS atam sa mboka. Pase bazana le peuple d'abord na makila. Don akolinga peuple congolais a souffrete. Do bo tout bazala ki wana. Pendant les 20 ans. Basala na mamou logo mongote. Bandeko, makambo ezo leka mikolo oyu. O ezo salama mikolo oyu bandeko na boku mona koma fachi ako salama kambo a kitoko. Mboka eko bonga. Tozo eb sabino makambo eza siri. Bo komprane kaka. Makambo totolo ba ya cour international wana. O le 20 avril bazo kata montan. Eza makambo o kata ne montan. Fatia doit kaka 10 milliards de dollars. C'est même zoya. Babé bina bango Fati. Donc, ce qui 20 milliards pene koti na caisse à trésor public Fati, tiaba congolais pena komo. Donc, à mon pena ke tatoe psa ki binoko. L'arnde za ikozanga. Si kombongo zoami, mais binobuzana problème sérieux de à résoudre. Un stratège comme Fachi, a du ambongo, 20 milliards de dollars. Ata koutka 13 wano ba yo kana gili boso wana ba zwango. 13 milliards zaka gebele. Bandeko, Fachi déboulonnage zo continue. Mission Fachi za ko récupérer EDC, mboka na biso to récupérer ngo nyonso. Oba kabola ki ondamu ndambu. Ce qui doit récupérer dans chaque province, tout le monde, tout le monde, dans chaque province. De toute façon, ma camoise, le canon doit danser déjà. Déjà, ma camoise, je suis à ma micro. Et ça, que Fati a récupéré Mboka. A qu'on respecte la constitution, 10 ans après Fati a quitté, Moutoumoko a continué la même vision, il y a Fati. Nebe, belle, vous êtes d'accord. Mais, opinion de Zopé ça. Peuple a yébi Moussala Fatia Zosa. Bandeko, na pone botala kaka mbongo wana. 13 milliards
plus de 13, bah on dit ça, de 13 boyo qui t'a caillé chez Wana. Tu tiens les binoyi. Entre 13 milliards à 76 milliards de dollars. Mbongo wana fachazo. Makambo ke bongita. Alors, bande konanga, c'est à ce point de comment clôturer mission na biso. Bon abonné massivement. Au revoir. À la prochaine.